Exemple d'activité que vous pouvez faire pendant un jeûne, donc de 24, 36, 48, 72 heures. Bien sûr, vous allez passer du temps à dormir, mais je vous déconseille de rester toujours inactif à la maison pendant un jeûne. C'est super emmerdant et en plus, c'est pas super bon pour les performances. C'est l'occasion de brûler un peu des calories en pensant à autre chose. Donc voilà, restez pas inactif, c'est quand même dommage, même si c'est l'occasion de prendre assez de temps pour dormir comme il faut. Et la plupart du temps, vous allez vouloir faire un jeûne le week-end justement pour pas impacter votre travail de tous les jours, parce qu'on est, ça peut être un peu déstabilisant de faire un jeûne pendant qu'on travaille. Donc beaucoup de personnes vont faire ça le week-end. Vous vous emmerdez, c'est long, vous savez pas quoi faire. Et ben, par exemple, vous pouvez commencer par aller à la gym sans trop forcer. Voilà, ça vous fera passer 1 ou 2 heures déjà tranquille. Permettra de penser à autre chose, pas qu'à la nourriture. Après, profitez, je sais pas, d'aller faire des courses, vous faire couper les cheveux, aller faire un loto, une bonne marche, prendre l'air, du shopping. Mais je vous évite d'aller acheter de la nourriture pour pas penser à ça. Voilà, un peu de jeux vidéo, le ménage chez vous. Des rangements, bosser sur des projets d'investissement, ou alors juste faire toutes les choses que vous repoussez au lendemain. Voilà, c'est l'opportunité de vous y attaquer comme vous avez du temps et que vous pouvez faire que boire de l'eau ou des produits à zéro calorie. Donc voilà, profitez de ce temps-là, essayez de pas justement rester focus sur le manque de nourriture, des choses de tous les jours, des choses que vous n'avez pas envie de faire d'habitude. Vous allez avoir plus d'énergie, plus de patates en théorie, donc c'est l'occasion. Allez, ciao!